Parla Music. Les hommes sont des gars, ils ont des majesties. Ils m'ont barré à pied, ils ont dit que je sens. Je dis les hommes sont des gars, ils ont des majesties. Ils m'ont barré à pied, ils ont dit que je sens. Maintenant je suis super swan, super swan, super swan. Je veux les robes à mon père. Maintenant je suis super swan, super swan, super swan. Je veux les robes à mon père. Les hommes sont des gars, ils ont des majesties. Ils m'ont barré à gris, ils ont dit que je sens. Maintenant je suis super swan, super swan, super swan. Je veux les robes à mon père. Maintenant je suis super swan, super swan, super swan. Je veux les robes à mon père. Le justicier, enfin je te retrouve. Tu as laissé comme un massacre. Tu vas confirmer ce que c'est la justice. Version Eneo. Ned, non, c'est pérenne, on va me rousser. Le justicier, ce n'est que le début. Tu vas confirmer le niveau de mes pouvoirs. Je t'avais promis que je t'aurais. Je veux couper l'énergie dans ton corps. Comme je l'ai fait à Bonamou Sadi. Renseigne-toi. À Tinga et Lobby, je l'ai fait. À Etoudi, je l'ai fait. Souviens-toi, le match Cameroun-Algérie. La coupure d'électricité. C'est moi. Oui, c'est moi. Je l'ai fait. J'ai coupé le courant. Je voulais que les lions gagnent. Malheureusement, ils ont perdu. Donc encore que c'est toi. Tu as coupé le courant à Japoma jusqu'à l'Algérie à taper les lions. Ça c'est la mamamoui. Oui, c'est moi. Je vais te tuer. On va mener ton corps à la morgue. Je vais couper le courant. Ton corps va pourrir. Moi et Noyo, oui. À l'ancien sixième abattoir à Etoudi. Si tu entends que les viandes pourrissent dans le congélateur, c'est mon travail. Donc, c'est à cause de toi que le kilo de viande est quitté de 2600 pour 3200. Ah! Oui, c'est moi. Donc, c'est toi qui pense à te complaiser le soya pourri aux gens. Ah! Attends, je vais te sortir le gangoumba du coup de tête. Le poing, c'est moi, Super Eneo. Le justicier, ça ce n'était qu'un avant-goût d'Eneo. Maintenant, tu vas confirmer le pouvoir de Super Eneo. Maintenant, tu es là.
C'est moi le roi, votre nouveau roi. Je n'ai jamais demandé à être roi. C'est d'où je comprends qu'on a bien beau pu fuir la tradition. Mais il y a une chose, la tradition finit toujours par nous rattraper. Avant, c'était mon frère Crévaison qui était assis sur ce trône. Il a fait son temps. Les ancêtres l'ont appelé. Aujourd'hui, c'est moi. Les gens ont beau dire dans ce royaume. On a parlé. On a dit. Je suis ceci. Je suis cela. Je suis voyou. Je suis bordel. Je fume le banga. Tout ces trucs négatifs, on a dit sur moi. La pensée de Dieu et des ancêtres n'était pas dans ça. C'est le pouvoir qui m'a choisi. Aujourd'hui, ce n'est plus mon frère. C'est moi, le roi de Nkwaban. Et je dis, toutes les erreurs que mon frère a eu à faire pour l'évolution de notre royaume, de mon royaume, puisque c'est moi le roi, rien ne pourra plus se reprendre, ni se reproduire. Ce royaume doit être un royaume que tout le monde peut admirer. Un royaume des braves. Un royaume des sages. Toi, tu es mon bras droit. Défaut. Je compte trop sur toi. Toi, tu es du Ngomna. Moi, je suis un roi. Et je suis quelqu'un qui aime faire des choses. Monsieur Mokolo System, quand on parle des choses sérieuses, quand on parle des choses sérieuses et concernant ce royaume, même si tu veux tousser, tu feras l'effort de bloquer ça dans ton ventre. Parce que là, il s'agit du royaume. C'est moi le roi Zaflex, le père d'une tongue. Et quand je parle, même la mouche ne doit pas bourdonner. Récemment, j'ai entendu parler d'une histoire de poulet dans ce village. Et pourtant, c'est vous, mes yeux et ma tête. C'est vous. S'il y a une nouvelle qui doit me parvenir, ça doit passer par vous. Parce que vous êtes mes oreilles et mes yeux dans ce royaume. Comment se fait-il que cette histoire de poulet m'est parvenue? Il semblerait qu'il y ait un monsieur qui s'est plaint qu'on a volé toute sa volaille. Comment se ferait-il que la nouvelle me parvient à moi alors que vous, vous êtes là. Quel est effectivement votre travail dans ce royaume? Chef. Oui. Il paraît-il que c'est notre coq qui viole la poule de ce poulailler. Et après le viol, la poule a disparu. J'ai décidé de gérer cette affaire. Stop! C'est pas à vous de gérer les problèmes de ce royaume. C'est à moi et rien que moi, le chef Zaflex, le roi du temps. Merci, chef. Monsieur Defo. Chef. Monsieur Defoso. Mais le nez de son erreur. Il ne revient qu'à une seule personne de gérer les problèmes de ce royaume. Cette personne, c'est bel et bien moi. Je suis le seul. C'est moi le roi de Nkwaban. C'est à moi seul. C'est moi seul qui dois gérer les problèmes de ce royaume. Pas vous.
et que cela ne se reproduise plus jamais. Chef. Je t'écoute. Chef. 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 Il paraît-il qu'on a les plaintes dans le village. Qu'il y a un jeune homme qui pue et qui sent comme un rat. Et qui met vraiment les gens mal à l'aise. Et là déjà, nous avons marre de son histoire. Les plaintes sont là d'ailleurs, chef. Quel est ce jeune homme? Nous avons deux filles qui sont là pour se plaindre. Ils sont venus se plaindre. Jeune demoiselle, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez approcher? Stop! Monsieur, beaucoup le système. C'est à moi de donner les ordres. Monsieur Ndefo. Chef. Appelez-moi ces gens qui sont venus se plaindre là. Je vais les voir ici.